aura fallu batailler 5 ans pour qu'à la 6e fois, le rallycross de Savenay obtienne ses lettres de noblesse en devenant une épreuve internationale. C'est ici qu'on a organisé au mois de juin une des épreuves du championnat d'Europe 1991. Un championnat qui se court sur 11 épreuves, dont l'épreuve française, ici même. Le rallycross, une spécialité des sports mécaniques où le spectacle est roi, où les sensations sont encore intenses et qu'on ne s'y trompe pas. Les voitures sont là, le soin de préparation poussée, effectué par de vrais professionnels. Le plateau ici à Savenay était de toute beauté, régionaux, nationaux, internationaux, tous les pilotes de la spécialité ou presque étaient présents. Les hommes venus du Nord, norvégiens, suédois, finlandais, s'appelaient Schanke, Skostad, Kristoffersson, Simonen ou Rasko. Venus de Grande-Bretagne, Golop, Gibson, de Hollande, de Belgique et bien sûr de France, cela se nomme Palier, Meynier, Vaison, Herbert et Benezet. Plus de 100 pilotes en tout, une organisation qui forçait le respect et l'enthousiasme des responsables de la course. On était tous motivés pour accéder au championnat d'Europe et aujourd'hui, après cette édition aux 3/4 avancés, je vous promets qu'on essaiera de redémarrer en 93 ou en 94 parce que j'étais un peu anxieux, mais aujourd'hui je suis plutôt rassuré. Les spectateurs sont venus en masse, ils nous ont remercié des efforts qu'on a pu faire, on a fait le maximum et tout se passe bien pour l'instant. Les forces en présence étaient impressionnantes et il fallait l'œil d'un connaisseur pour reconnaître des voitures comme ici, cette Ford Fiesta surprenante. Ford en force et son armada de RS500 de Cosworth, comme celle de Kenneth Hansen préparée par Sach et qui gagne sur tous les circuits d'Europe. Elles étaient venues à Savenay en bataillon entier. Les Français de leur côté alignaient des Renault Turbo 21, pas toujours dans le coup, mais aussi des Citroën BX et AX. C'est avec ces bolides qu'une course dans la course s'est déroulée, celle du championnat de France et du pilote qui défend son titre, Jean-Luc Payet. Première escarmouche concluante parce qu'on avait un petit peu peur, vu que le terrain est gras, de ne pas pouvoir passer la puissance. Et puis il s'avère que cette suspension hydraulique de la Citroën favorise les départs et puis un terrain gras est favorable à la voiture. Alors quels sont les concurrents que vous craignez le plus pour tout à l'heure? Ben bon, là, on joue le championnat de France. Hein. On va pas essayer d'aller chatouiller les Européens. Mais bon, pour le moment, je suis premier français parce que je suis devant Vaison, Herbert, Dumas, etc. et Benezet, je pense. Donc, notre but aujourd'hui, c'est de finir premier français. Peu importe la place au niveau du championnat d'Europe, j'espère dans les 10 premiers. Mais premier français, c'est indispensable. Guerre fratricide entre Français, entre Citroën et entre deux champions, Jean-Luc Payet, le challenger Christophe Vaison, qui ne s'en laissait pas compter. Moi, j'aimerais bien faire quand même une bonne place au championnat d'Europe, mais bon, avant tout, on veut la place du championnat de France. Ouais. Alors, comment ça se passe avec Jean-Luc Payet, notamment? Vous êtes loin, pas trop loin, ces premières épreuves? Ben bon, la dernière manche que je viens de finir, là, j'étais derrière lui, j'étais même très très près. Bon, j'espère que dans la troisième manche, je vais arriver à être devant la BX, quoi. Un plateau hétéroclite, et ça, c'est bon pour le public, où l'on discernait dans le désordre BMW, Audi et les incroyables petits MG métro comme la 303 de Will Golop, un Britannique teigneux comme tout. Et les pilotes locaux même n'hésitaient pas à se mesurer au meilleur, comme Jean-Pierre Sauvion sur son Alfa Romeo, deux roues motrices. J'ai fait beaucoup d'Herbie de Gordini à une époque, et la deux roues motrices, c'est une voiture qui me plaît énormément. Elle est très spectaculaire, elle est relativement facile à conduire. Et puis je pense qu'au niveau des yeux des spectateurs, bah, le spectacle, c'est important. Spectacle important et de qualité.
Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, même à Savenay, et surtout à Savenay pour cette épreuve internationale, comptant pour le championnat d'Europe, je vous le rappelle, cette compétition a pu inscrire une course dans la course. Et cette course, c'est celle des PTS, entendez par là, Peugeot, Talbot, Sport, Formule de promotion. La coupe Peugeot ne comporte que des 205 GTI. On ne s'y trompe pas, cette course est tout de même très disputée, avec des pilotes jeunes pour la plupart et généreux. Citons-en quelques-uns, Prudhomme, Percheron, Rousseau, Boussard et la 205 GTI bleu numéro 6 de Philippe Soler. Citons aussi Le Boucher, Pagani, Hérault et Marcanet. Le public du reste ne s'y est pas trompé, car il a ovationné ces jeunes talents au volant de leur 205 GTI. Course endiablée, comme du reste toutes les formules de promotion, que ce soit ici en rallycross, aussi bien qu'en monoplace ou en super tourisme. L'essai chronométré se déroulait le samedi sur cette piste Lucien Coiffé, moitié bitume, moitié terre. Les divisions 1, 2 roues motrices et les divisions 2, 4 roues motrices se sont affrontées très fort. Les meilleurs spécialistes étaient là, tel Martin Schank, champion d'Europe en titre. Le voici sur sa 302 Ford Sierra Cosworth. Un matériel qui était d'une qualité remarquable et une cavalerie impressionnante, 250 à 600 chevaux, des voitures qui affichaient une puissance incroyable et qui rappelaient le défunt groupe B en rallye. Écoutez-les rugir. Des essais importants car ils déterminaient les grilles de départ pour la course du dimanche. L'ordre à ces essais sera respecté. On retrouve les meilleurs tant en division 1 qu'en division 2. Kenneth Hansen, Ludwig Unschbett, Born Schkostadt, tous des Nordiques en division 1. Martin Schanke, Will Golop, Thor Holm et Christofferson en division 1. Rallycross de Savenay n'était pas un repère de macho. La championne Maïté Poussin a bousculé un peu messieurs les hommes malgré quelques problèmes mécaniques. Et j'ai commencé par faire 3 tours au ralenti pour voir si la boîte de vitesse qu'on venait juste de changer tenait bien, si les vitesses ne craquaient pas. Après j'ai voulu faire effectivement 3 tours, mais en attaquant un petit peu, au bout d'un tour je me suis retrouvée avec le levier dans la main. J'ai trouvé ça assez amusant. Un petit mot sur Savenay, qu'est-ce que vous pensez de cette épreuve européenne depuis cette année ? Oh, franchement, elle est fantastique. Je vous jure, ils ont pensé à beaucoup de choses, ils ont pensé au public et jusqu'à présent, on peut dire que c'est vraiment une belle réalisation. Dernier préparatif, dernière présentation et dernière mise au point avant les épreuves ultimes. Nous vous proposons de revivre ces deux finales de la course et tout d'abord la division 1, celle des deux roues motrices, à combiner de spectacle et d'audace.
Voilà, c'est parti. Avec cette Ford Sierra verte qui est en tête, semble-t-il, voilà, au début de la ligne droite, premier virage, ça se bouscule un petit peu, ça se pousse très fort. C'est un peu confus, mais la RS verte reste toujours en tête. C'est Kenneth Hansen, n'est-ce pas, qui est en tête, mon cher Jean-Pierre. Il est en tête du reste du championnat d'Europe de Division 1, ça n'est pas pour rien. Non, ça n'est pas pour rien qu'il est en tête, là encore, de cette finale A, devant Kostad et devant Umstedt, avec la BMW que je donnais favori, qui finalement a eu un petit problème en bout de ligne droite, il s'est fait passer en bout de ligne droite. Voilà, regardez comme ça vire en contre-braquage, c'est absolument extraordinaire comme spectacle. Là, c'est du bitume, on va attaquer la terre un petit peu. Vous avez vu les roues se bloquer au freinage. Contre-braquage à l'épingle et c'est repart. Il semble que Kenneth Hansen fasse le trou dans cette manche. Regardez, il a pris un peu plus d'avance que tout à l'heure. Et pourtant, ces voitures sont de la même puissance. Hein. C'est le pilote qui fait la différence. Voilà. Et là, c'est la partie technique. Ce S, vous voyez, dans le petit bois. Enfin, il y a quatre arbres, mais c'est un petit bois quand même. Là, c'est tout de même très technique. Je pense que le pilotage là est important dans cette partie du circuit. Surtout que c'est une partie du circuit qui se trouve très très glissante. Et c'est pourquoi il est très technique. Vous avez raison, Joël, de le dire. C'est vraiment une partie très glissante, très technique. Regardez les roues qui vont se bloquer. Hop, un coup de turbo, une flamme qui part. Et la RS 500 qui garde la tête. Regardez le trou. Voyez le trou. C'est assez fantastique tout de même. Kostad est menacé par Anstett, par la BMW. Voilà, regarde. Ah, mais il n'a pas réussi à passer tout de même. Et à main. Voilà, je crois que Lopel a dépassé la BMW pendant que Kenneth Hansen lui conserve toujours la tête de cette manche, de cette finale. Voilà, toujours 701, Kenneth Hansen, cette superbe Sierra RS 500 verte. Regardez ce S magnifique. Ça, c'est du pilotage. Et il sort juste comme un boulet de canon à l'issue de la courbe droite. Déjà en travers et en dérapage avant d'arriver sur le bitume. Kenneth Hansen sur le vibreur. Skogen. Et la petite Opel qui est troisième. La petite Opel troisième qui se défend ma foi fort bien. Qui se défend même très bien pour sa faible puissance. Avec ses seulement 250 chevaux. Par rapport aux 520 chevaux des RS 500. Voilà. C'est tout de même une figure de style que nous offre Kenneth Hansen. Voilà, il est arrivé premier, finale de cette manche. Le temps de ranger ces belles mécaniques et de placer sur la ligne de départ celle de la division 2, 4 roues motrices, avec des chevaux partout et un Martin Schanke mal parti. Ah, on dirait que Schank s'est laissé dépasser en ligne droite. C'est la 303 qui est en tête, cette métro, celle de Will Golip. C'est absolument un furieux pilote avec cette métro fantastique. Regardez cela, il a réussi à devancer tout de même le champion d'Europe en titre, mais je pense que ça ne va pas durer très longtemps. L'autre se rapproche très fort. En tout cas, vous avez vu cette métro. Un mot sur cette métro noire, là, qu'on voit encore en tête, Jean-Pierre. Ah oui, la métro de Will Golip, c'est une métro hyper bien préparée, qui développe 650 chevaux. Avec un grand pilote, Will Golip, c'est un Anglais, mais c'est un Anglais qui a un pilotage extraordinaire. Un furieux, le voilà qui vire. Il a placé de rouge tout de même Martin Schanke, qui va sûrement pas le laisser faire, croyez bien. Le voilà qui vire, en contre-braquage complet. Martin Schanke qui prend les vibreurs un petit peu sur trois roues, et qui le poursuit. Avant-dernier, Christophe Persson,
Et revoici la MG Métro de cet Anglais, complètement déchaîné. Regardez-le dans les S du petit bois. Et je crois qu'il n'arrive pas à le rattraper, malgré sa puissance. Cette Métro est une voiture tellement bien par terre, elle est tellement bien équilibrée que Will Gollop, et en plus c'est un grand pilote, Will Gollop, c'est un très grand pilote. Regardez-le virer, en contrebraquage, il prend le virage assez à l'extérieur. Il sait qu'il a le temps, qu'il a personne de trop près. Alors il peut prendre très large, ce qui lui permet de sortir très vite et d'attaquer sur la ligne droite. Il y a eu un petit accrochage pendant que la MG fait cavalier seul. Elle est débarrassée de son poursuivant immédiat. Chank est toujours deuxième à l'affût de cette MG Métro de Will Gollop, le britannique. Alors c'est donc Thor qui est resté, c'est Thor qui est resté, Jean-Pierre, à l'accrochage sur le bord de la piste. Oui, c'est Thor Holm qui est donc resté sur le bord de la piste. Dommage pour lui, il était en deuxième position. Voilà. Ici, c'est Will Gollop, 303 MG Métro en tête, suivi de la 302 de Martin Chank. Les voilà tous les deux en dérapage et il va remporter, ce petit Britannique furieux, la finale des finales de ce rallycross. Regardez, avec un tête à queue pour le plaisir et le spectacle. Coup de chapeau tout de même avec cette arrivée inattendue. Très inattendu vu le départ où Shankey c'était a pris un très mauvais départ. Voilà, des petits dérapages pour saluer sa victoire et saluer le public. Will Gollop qui nous fait un superbe spectacle en finale. De Will Gollop, l'Anglais Will Gollop. La perfide Albion qui a donc été cette fois plus rapide que les Nordiques. Deux beaux vainqueurs, Kenneth Hansen en division 1 et Will Gollop en division 2, ce qui ne change pas le classement championnat d'Europe. C'est toujours Martin Shanke, le Norvégien, qui est le tenant du titre. Les Français, eux, se sont bien comportés ici à Savenay, Paillet, Vaison, Flamand, Herbert et la petite championne de France, Maïté Poussin. Savenay, en tout cas, est entré en fracas et de plein pied dans le championnat européen.